Bonjour et bienvenue, c'est Béné, on se retrouve pour le 34e, il me semble. 33 ou 34, je sais même plus. Perdu. 33 ou 34e. 34e. 34e épisode du Let's Play sur Darksiders et sûrement le dernier. Donc ce combat final face à Abaddon, c'est parti. Il est là. Ok, bon, ça touche quand même. Ok. On a pas mal de soins, donc normalement ça devrait... On devrait le faire. Hein. Aïe, 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 attention. Ok. Ok. Allez. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Oh putain. Ok. 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 On sort pas mal, hein? Ouais. On ne pas. Ok. Ok. Je suis touché. Ok, c'est bon. Oula. Oula. Pas prendre de risque. Ok. Je sais pas ce que c'est, je vais essayer, on va tester. Ok. Ouais, ok, je peux pas. Je peux pas mettre mon pouvoir, non, je peux pas. Ah si, je peux. C'était pas le moment. Ah non, on peut pas. Ok. Oh putain. Ah là, je me réveille. Là, je suis en train de me faire défoncer. Ok. Allez. Vous m'avez appris quelque chose, Abaddon. Parfois, le devoir doit être mis de côté pour faire ce qui doit être fait. Ce n'est pas par devoir que je vais vous tuer. Uriel. Uriel. Récolte ce que tu as semé, traître. Et c'est ce que tu as fait. Non! Patience.
grosse traînée. Je vais aussi m'occuper de ton cas. Je garde ceci. S'il était cassé, ça pourrait te donner des idées. Comme ne pas rentrer dans ta petite cage. C'est tragique, vraiment. Ta liberté était au creux de ta main, et tu l'as perdue. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tu ne trouverais rien de drôle à tes propres funérailles. C'est la tienne que je ris. Nec Sacramentum. Le serment à la mort est accompli. Gardienne de malheur, qu'as-tu fait? Continue, et je te tuerai encore. Je ne faisais que suivre les ordres, comme toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Affronter le conseil? Affronter tout le monde? Tu ne t'en sortiras jamais. Tu m'entends? Jamais! N'oublie surtout pas qui est ton maître. Je n'ai pas oublié. Tu savais ce qui allait se passer, ce que j'allais faire. C'est pour ça que tu m'as épargné. Non. Alors pourquoi? Parce que je ne pouvais pas laisser l'honneur des cieux disparaître avec leur championne. Nous sommes donc quittes. Le devoir qui est le mien m'amènera peut-être à me battre contre toi. Ce jour-là, je n'hésiterai pas. Tu seras traqué! La Cité Blanche, c'est sûr! Le Conseil est... Il y en aura d'autres! Mèneras-tu cette guerre seul? Non. Pas tout seul. Magnifique, les frissons, la fin incroyable avec les nos frères qui arrivent sur Terre, en fait sur Terre plutôt là où on est, incroyable. Ça y est, fin de Darksiders, jeu que j'avais déjà fait, que j'ai refait, et j'ai pris encore plus de plaisir que la première fois. Franchement, je me suis régalé à un point, c'était incroyable de rejouer à ce jeu. J'ai galéré par contre, il y a certains moments, j'ai vraiment galéré. Mais quel jeu incroyable. Franchement, je sais pas si... Et moi, je trouve qu'on n'entend pas forcément parler de ce jeu. Enfin, pas beaucoup du moins. Il est connu, mais je trouve pas assez. C'était vraiment incroyable, en vrai. J'ai pris un réel plaisir, que ce soit au niveau scénario, niveau gameplay. Ouais, niveau scénario, niveau gameplay, même qui est un peu secondaire, c'est assez cool. Franchement, j'ai trouvé incroyable. Toutes les zones, elles étaient incroyables. Les boss étaient hyper charismatiques. Le dernier boss était hyper charismatique aussi. Franchement, j'ai kiffé cette histoire de trahison par le Conseil des Quatre. Franchement, j'ai adoré. J'espère que vous aussi. Si vous n'avez pas fait le jeu, je vous le conseille. Parce qu'il est vraiment incroyable. Et on fera le 2... Le 3, je crois qu'il y en a 3. Donc le 2, comme je disais lors du premier épisode, c'est Tess qu'on va prendre en main normalement, il me semble, dans le 2, c'est Tess. Donc un des membres des 4 guerriers, là, des 4 qui doivent rétablir l'ordre, l'équilibre surtout, l'équilibre. Donc il y a Guerre, il y a Tess, il y en a deux autres, je sais plus comment ils s'appellent.
Donc normalement c'est Death qu'on va jouer dans le deuxième opus. Ça sera pas tout de suite, mais j'ai quand même hâte d'y être parce que je me suis régalé. Bon, je vais laisser l'outro. En tout cas, j'espère que vous, cela vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment plu. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux let's play. Allez, peace, prenez soin de vous.